hini her ra en kemet. Inej her chen, inej her se jem yui. Bienvenue à tous sous le soleil d'Égypte. Nous reprenons aujourd'hui le cours sur l'apparence des dieux. Nous avons vu dans la dernière vidéo que les dieux pouvaient s'incarner dans des phénomènes naturels, tels la crue, mais aussi dans des végétaux. Nous allons voir maintenant que les dieux se manifestent aussi dans les animaux. Discerner le divin dans les animaux est commun à de nombreuses civilisations. Cependant, les Égyptiens ont la particularité d'avoir un répertoire très riche. Des animaux, il y en a à pléthore dans les différents biotopes de l'Égypte. Les eaux et les rives du Nil, les marais, la campagne, le désert, etc. Les Égyptiens étaient de fins observateurs de la nature, prompt à isoler dans chaque aspect, chaque comportement, des traits valorisés ensuite dans la religion. Même la plus insignifiante des petites bêtes pouvait être porteuse d'une fraction du divin. Par exemple, ce petit coléoptère que les entomologues, les spécialistes des insectes, appellent l'anélater notodonta, apparenté aux insectes dont le taxon français est taupin. Il est vrai que lors d'une balade, on ne le remarquerait même pas. Mais les Égyptiens anciens ont associé cette petite bébête à l'une de leurs déesses les plus importantes, Neith. Neith, de la ville de Saïs, à l'origine une déesse de la chasse et de la guerre, est une déesse primordiale et créatrice, asexuée ou androgyne, fécondée par le Verbe, elle engendre le soleil. Elle tisse le monde et en fixe les limites avec sept tissus, puis elle crée les sept paroles justes, qui font d'elle la maîtresse de l'univers. Patronne des tisserands, elle est reconnaissable à son signe sur la tête, qui pourrait être une navette de tisserands, ou bien un carquois avec deux arcs, rappelant ses origines guerrières. Neith est également avec Isis, Nephthys et Selkis, une divinité protectrice du corps du défunt. Alors pourquoi l'avoir associée au taupin ? Eh bien parce que cet insecte saute avec un déclic pour échapper à l'inondation ou pour se remettre droit s'il est sur le dos. Dans ce comportement, les Égyptiens ont vu la même puissance que celle mise en œuvre par la déesse Neith lorsque celle-ci émane de l'océan primordial Nun lors de la création, évidemment à une échelle plus petite. D'autres insectes attirèrent aussi l'attention occasionnelle des théologiens, comme la puce, la mouche ou le dermestre, une sorte de coléoptère qui mange les chairs. Mais ce n'est rien à côté du scarabée, à l'importante signification symbolique religieuse, qui tire son origine dans son comportement. Le scarabée sacré est un insecte fabuleusement bien équipé. Pour se nourrir, il prend grâce à son clypeus au devant de sa tête sa pitance dans une bouse, qu'il va ensuite malaxer et mettre en boule avec ses pattes avant. Puis il va la rouler en la poussant avec ses pattes arrière munies de crochets jusqu'à son nid. Pour se reproduire, la femelle, une fois fécondée, forme de la même façon une boule de bouse plus grande en forme de poire. Une fois dans son trou, elle y dépose son œuf, puis l'abandonne. La larve se développe et mange le contenu de cette boule. Une fois au terme de ses métamorphoses, le coléoptère devenu adulte va surgir de cette boule, puis du trou, et prend son envol. L'observateur égyptien voit alors un insecte qui semble naître sans géniteur, un être qui semble venir à l'existence de soi-même. Vous comprenez alors que le scarabée agit comme le démiurge solaire au premier instant de la création, et comme le soleil tous les jours qui, après s'être dissimulé pendant la nuit, surgit chaque matin à l'horizon oriental, comme s'il sortait de la terre, elle-même baignée dans les eaux du Nun. Ce symbole des métamorphoses et de la renaissance du soleil est l'un des symboles les plus importants et populaires que nous a transmis l'Égypte ancienne. Vous pouvez voir sur ce relief dans la tombe de Ramsès IV la représentation des trois aspects du soleil au matin, au zénith et au coucher. Khepri le scarabée, Ra le disque, Atum le bélier. Sur ce papyrus du livre de l'âme droite,
et représentait la dernière heure du trajet nocturne du soleil naviguant dans sa barque, allée par diverses divinités dans l'âme d'Oat, le monde inférieur. Nous voyons le soleil prêt à renaître sous la forme de Khepri, puisant sa force dans le corps d'Osiris en dessous. D'autres insectes sont valorisés dans les croyances. Par exemple, le scolopendre, le mille-pattes. Les mille-pattes qui grouillent dans les recoins humides et obscurs sont les symboles de la vitalité au sein même de la mort. Ils sont donc associés sous le nom de Sepa au dieu Osiris. À présent, regardons le cas de la nèpe, encore appelée scorpion d'eau. La nèpe est une punaise aquatique qui a la particularité de respirer en remontant périodiquement à la surface par l'intermédiaire d'un siphon caudal, un tube à l'arrière de son corps, qui lui apporte directement l'air au trachée. Ce fait naturaliste lui vaut d'incarner la déesse Serket, Selkis, dont le nom signifie « celle qui fait respirer les gosiers ». Il est logique que Serket soit alors une déesse funéraire qui protège particulièrement les poumons des défunts. Attention, sur les représentations de la déesse, même si la forme fait penser à un scorpion, il s'agit bien d'une nèpe. Même si le scorpion provoque par sa piqûre une sensation d'étouffement, Serket est associée au scorpion, oui, mais au scorpion d'eau. La pensée religieuse égyptienne a puisé dans la faune tout entière des animaux en fonction de leurs traits particuliers. Poissons, reptiles, batraciens, oiseaux, mammifères sauvages ou domestiques, ils sont tous susceptibles d'être les véhicules des puissances divines ou bien des manifestations temporaires ou régulières de divinité. Et même les animaux hostiles et dangereux. Prenons les reptiles. Nous pouvons citer Apep, Apophis, dont le nom signifie le grand serpent. Apep est une émanation du Nun, l'océan primordial, un génie du non-être, qui s'oppose à la création, à l'être. Il est donc l'ennemi du soleil et de sa création. Comme nous pouvons le voir sur l'illustration que j'ai faite d'une scène peinte dans la tombe de Ramsès Ier, représentant un passage du livre des portes. Sur le registre inférieur, le démiurge Atum combat Apep et le tue de son bâton. Mais tous les serpents n'ont pas un rôle négatif. Au registre supérieur, vous pouvez voir le dieu solaire Atum naviguant dans sa barque. Tout autour de sa cabine se trouve un serpent le protégeant. Il se nomme Mehen. Le livre des portes raconte les péripéties du soleil lors de son trajet nocturne, où il doit vaincre de nombreux ennemis dans de dangereuses contrées. En traversant les 12 heures de la nuit, il doit à chaque fois passer par des portes protégées par des serpents gardiens, comme ici à droite. Le dieu soleil qui connaît le nom des gardiens peut donc ouvrir les portes. Ici, le serpent se nomme Akebi. Sur cette illustration du livre pour sortir au jour, le véritable nom du livre des morts, de M. Eruben, daté de la 21e dynastie vers 900 avant Jésus-Christ et qui est conservé au musée du Caire, nous pouvons voir donc sur ce papyrus le dieu Seth, Setesh, à la proue de la barque de Ra, Hor Arti, en train de tuer de sa lance Apep Apophis. Comme vous le savez, Setesh est un dieu violent, meurtrier de son frère Osiris. C'est un dieu violent, mais ici sa violence est utilisée pour le maintien de la création, dont il fait partie. Cette violence nécessaire combattant le néant. Vous pouvez remarquer le serpent qui protège le disque solaire sur la tête de Ra. Concernant d'autres divinités serpents bénéfiques, je pense à l'Uræus, Yaret, le cobra femelle protectrice que portent au front les dieux et les rois. Son nom, Yaret, signifie « celle qui se dresse ». Représentant les rayons ravageurs du soleil, elle se dresse prêt à cracher son venin contre tout ennemi de son porteur. Comme vous pouvez le voir sur ces deux magnifiques exemples qui sont au musée du Caire, le premier c'est ce magnifique masque en or de Psousénès Ier, un roi de la troisième période intermédiaire,
vers 1000 avant notre ère. Ce masque, qui n'est pas sans rappeler ceux de Toutankhamon, a été découvert en 1940 par Pierre Monté sur sa momie dans sa tombe dans la ville de Tanis, dans le Delta. L'autre exemple présentant un bel uréus en or serti de pierres semi-précieuses et de pattes de verre provient de la sépulture du roi Sénoucéret II, Sésostris II, de la 12e dynastie, un roi donc du Moyen Empire, vers 1880 avant notre ère. Ces deux artefacts sont conservés au musée du Caire. Il existe aussi des déesses serpents avenantes comme Mérességuer, celle qui aime le silence, protectrice de la montagne Thébaine que nous avons vue précédemment et que nous voyons sur ces différents ostracapins. Il y a aussi la déesse serpent Renenutet, que nous avons vue aussi au dernier cours, déesse des moissons dont le rôle est de veiller à la fécondité de la terre. Ces deux stèles du Nouvel Empire nous montrent à droite deux personnages en adoration devant Mérességuer, et à gauche, deux femmes en prière chacune devant la déesse Renenutet. Je vous laisse le loisir de repérer les noms des deux déesses sur les stèles. Pour le plaisir, voilà encore des images de la déesse Renenutet, dont une stèle au musée de Turin. Parmi les déesses serpents, n'oublions pas la toute puissante déesse cobra Wadjet, déesse tutélaire de la Basse-Égypte, consœur de la déesse vautour Nehebet, déesse tutélaire de la Haute-Égypte. Il existe de nombreux dieux crocodiles, le plus souvent nommé Sobek. Le nom de Sobek signifie « celui qui est patient ». Sobek est d'ailleurs souvent associé au dieu Ra et devient alors Sobek Ra. Le culte de ce dieu de la fertilité et des eaux connaît une diffusion notable dans le Fayoum et à Komombo, mais aussi dans toute la vallée. Nous pouvons voir une représentation de Sobek Ra sur ce fragment de stèle qui est au Brooklyn Museum. Même le petit lézard, le gecko, est un talisman de renaissance. D'une part, à cause de sa promptitude à passer de l'obscurité à la lumière, symbole de la mort et de la vie, et d'autre part, à cause de sa queue qui repousse quand elle est sectionnée. Les dieux s'incarnent aussi dans des poissons, par exemple le silure et le cynodonte châle. Le silure est un poisson d'eau douce qui vit dans les zones les plus profondes de son habitat, au fond des rivières. C'est un poisson qui évite la lumière et qui est reconnaissable grâce à ses barbillons et parce qu'il est assez gros. Vous pouvez voir des représentations assez fidèles dans mes deux exemples qui proviennent d'un mastaba de l'Ancien Empire. Le cynodonte et le silure ont été valorisés comme talismans de vitalité parce qu'ils peuvent survivre à l'assèchement en s'enfuissant dans la vase. Le cynodonte Baten Soda, ventre noir en arabe, qui se complaît à nager sur le dos, sera précieux pour le défunt lorsqu'il atteindra le monde souterrain et inversé de l'au-delà. En effet, à en croire les grimoires funéraires, il y court le risque de marcher la tête en bas. La perche, la tesse, en raison de sa combativité, est associée à la guerrière Neith. Regardez-moi cette grosse perche tirée des eaux du Nil. Quant à l'anguille, elle est associée à Atum, le soleil créateur. C'est que, en se dégageant de la vase, elle semble surgir dans l'eau comme le démiurge créateur du monde, jaillissant hors de l'océan primordial. De ce soleil créateur, le tilapia est une manifestation privilégiée non seulement parce que les coloris chatoyants de ses écailles évoquent le lever du soleil, mais aussi parce que deux espèces particulières, le tilapia nilotica et le tilapia galilea, transportent leurs œufs dans la bouche et les recrachent après éclosion,
Pour nos savants naturalistes, ces mœurs relèvent de l'incubation buccopharyngienne. Mais pour les Égyptiens, elles s'apparentaient à la reproduction monosexuée. Or, c'est de cette manière que le Créateur avait rompu sa solitude originelle et créé le monde. Toujours dans l'eau, la grenouille. La grenouille, parce qu'elle saute hors de l'eau, est la forme habituelle de la déesse Heket. Elle protège l'accouchement, c'est-à-dire le jaillissement du nouveau-né hors du liquide amniotique. Plus largement, Heket véhicule une fraction de la force régénérative qui assure le renouveau du principe vital après sa décroissance. Le signe hiéroglyphique du batracien signifiait « celui dont la vie est renouvelée ». Sur le détail d'un relief à gauche, vous pouvez voir la déesse Heket assise, présentant un signe de vie Anr à un enfant posé sur un tour de potier. Il s'agit du tour de potier de Khnoum qui est en train de façonner l'enfant divin ou le prince à venir, et Heket l'assiste en insufflant la vie aux narines de ce jeune enfant. Sur l'exemple de gauche, vous pouvez voir le nom de la déesse. Nous avons vu les insectes, les reptiles, les batraciens. Qu'en est-il des oiseaux? Le comportement de nombre d'oiseaux évoquait pour les anciens Égyptiens l'action de principes utiles à leur destinée. Aussi les traitaient-ils comme des talismans. Les vols lointains du cygne ou de l'hirondelle, ponctués de retour en Égypte, les qualifiaient pour capter les puissances assurant le retour à la vie après l'éloignement de la mort. Les gesticulations et les courses de l'autruche à l'aube furent interprétées comme une danse saluant le lever du soleil. De nombreux autres oiseaux sont étroitement associés à des divinités. Les cris du milan, un rapace qui ressemble à une longue plainte, une lamentation, ont été associés aux pleurs des déesses Isis et Nephthys, gémissant devant le cadavre d'Osiris. C'est pourquoi ces deux déesses peuvent être représentées sous la forme de deux milans. Comme nous pouvons le voir ici sur cet exemple qui est un relief du temple de Philae, où nous pouvons voir, de part et d'autre du corps d'Osiris, à la tête et aux pieds, deux milans protégeant de leurs ailes le corps du défunt Osiris. D'ailleurs, c'est sous la forme d'une oiselle qu'Isis va se poser sur le membre viril de son mari défunt pour se faire féconder. Pour continuer la description, nous voyons tout à droite Isis représentée sous la forme humaine en train de protéger le corps d'Osiris. Et tout à gauche, nous avons le résultat de cette union posthume, Horus, qui est lui aussi en train de protéger son père, posé sur un lit funéraire et revivifié par la déesse Isis. L'ensemble de cette scène s'insère dans la représentation de la tombe d'Osiris, surmontée au-dessus par une butte arborée. À cause de ses habitudes de charognard, le vautour suscite chez les Occidentaux du dégoût et de la répulsion. Les Égyptiens, au contraire, firent de lui un symbole de la sollicitude maternelle parce qu'il déploie ses larges ailes pour protéger ses petits de l'ardeur du soleil. Quelle belle image de la protection maternelle! D'ailleurs, le hiéroglyphe du vautour sert à écrire le mot « mère », « mout ». Et c'est également le nom d'une déesse, Mout, femme d'Amon et mère de Khonsu, dans la triade thébaine, qui a l'image d'une reine et protectrice de la dynastie et de sa succession. Imaginez-vous le vol lointain d'un vautour à l'impressionnante envergure qui va couvrir métaphoriquement la vallée et les falaises de Haute-Égypte. Nous avons là la manifestation de la déesse Nekhebet, celle qui vient de la ville de Nekheb, la déesse tutélaire de Haute-Égypte, consœur de Wadjet, la protectrice de Basse-Égypte, le Nord. Nous retrouvons souvent l'image de Nekhebet aux ailes déployées sur le plafond des travées centrales dans les temples, comme nous pouvons le voir ici dans le temple d'Hathor de Dendera. Le héron, oiseau migrateur au vol imposant et majestueux,
va représenter le bas du dieu Ra, qui le précède dans la barque solaire. Je vous rappelle que le bas est une composante immatérielle des dieux et des hommes. Il représente l'énergie de déplacement, de dialogue et de transformation de l'individu. Cette puissance permet à l'individu de se mouvoir entre le monde divin, le monde des morts et le monde des vivants. Le bas de Ré était représenté par l'oiseau Bennu. Comme Ra, cet oiseau était adoré à Héliopolis. Il est fortement lié au soleil. Le livre des morts, le livre pour sortir au jour, dit de lui « Je suis l'oiseau Bennu, l'âme-cœur de Ra, le guide des dieux vers la Duat, le monde inférieur. » Il est représenté le plus souvent sous la forme d'un héron couronné de l'atef, la coiffure d'Osiris, ou du disque solaire. Il peut être représenté sous la forme d'un héron cendré ou d'un héron pourpre. Selon un mythe, l'oiseau Bennu s'était créé de lui-même à partir d'un feu consumant l'un des arbres situés dans l'une des enceintes du temple de Ra à Héliopolis. D'après une autre version, il avait jailli du cœur même d'Osiris. Il vivait sur la pierre Bembem, un monument d'Héliopolis représentant la butte primordiale issue du Noun, d'où émane le soleil, lors de la création du monde, ou bien il vivait sur le saule sacré d'Héliopolis. Le mythe le plus répandu fait du Bennu un oiseau mystérieux qui n'apparaît aux hommes que tous les 500 ans à Héliopolis à l'occasion de sa mort et de sa résurrection qui marque ainsi le cycle du temps. Et bien cet oiseau va devenir pour les Grecs le phénix, dont le nom vient peut-être du verbe égyptien weben qui signifie briller, étinceler et naître concernant le soleil. Le nom de l'oiseau Bennu s'écrit avec la jambe B, la vaguelette N, le petit poron Nu et le poussin de caille Ou. Le déterminatif de ce nom est un héron. Petit pas à tapons. Bennu, B-N-U, traversera le temps et sera transcrit en grec en phoenix, le phénix. Mais parmi tous ces oiseaux, supports du divin, il me faut encore parler de l'ibis sacré, noir et blanc, l'une des deux hypostases du dieu Djéhouti, Thoth, la seconde étant le babouin. Thoth, c'est le dieu de l'intellect, des sciences, du savoir, de l'écriture, etc. Et lorsque l'on regarde un ibis au bord du Nil, on le voit très souvent farfouiller avec son bec la vase et chercher sa pitance. Il cherche en permanence. D'ailleurs, le hiéroglyphe représentant un ibis penché sert à écrire le mot « gemeh » qui signifie « regarder, observer, chercher » et « gem » qui signifie « trouver, découvrir » car celui qui cherche, trouve. Pour finir avec les oiseaux, comment ne pas parler du faucon? Ce rapace au plumage bigarré et au vol lointain va représenter le dieu Horus, Her, sous toutes ses déclinaisons, dont je ne vais pas faire la liste maintenant, puisque nous avons vu une bonne part de ces déclinaisons dans le cours sur les noms des dieux. Le faucon peut représenter des dieux moins connus, comme Hémen de Kous, une ville en Haute-Égypte dans la région de Thèbes, que nous pouvons voir figurer ici sur cette statuette représentant donc le dieu Hémen qui reçoit des offrandes sous la forme de petits vases ronds, les vases Nou, qui contiennent donc du vin, des mains du pharaon Taharqa, un roi de la 26e dynastie, dynastie originaire du royaume de Napata, de Kouch, en Haute-Nubie, une très belle statuette en bronze qui marque la qualité des artisans de l'époque. Le faucon Hémen est recouvert d'or, puisque la chair des dieux est en or. Le socle en bois est quant à lui recouvert d'argent. Entre les pattes du faucon, nous pouvons remarquer également un cobra dressé. Vous pouvez voir cette statuette au Louvre. Nous allons parler à présent des mammifères. Et là encore, l'inventaire est bien fourni. Certaines divinités ont des préférences dans les animaux du désert, comme les gracieuses gazelles ou autres antilopes, ou en bien encore le farouche bouquetin, la petite musaraigne dans les champs, ou l'habile loutre dans les marais du Nil.
Mais il peut aussi avoir des redoutables fauves, comme le léopard, qui a dû toucher la sensibilité religieuse, mais plutôt comme un talisman, censé apporter au défunt quelque chose de son impressionnante force de détente, bien utile pour bondir hors de la mort et entamer un nouveau cycle biologique. Ici, nous pouvons voir une tête de léopard en or qui a été trouvée dans le trésor de Toutankhamon. Vous pouvez remarquer sur cette tête en or sertie de lapis-lazuli le nom du roi Toutankhamon dans un cartouche. Il s'agit de l'un des noms du couronnement du roi, Neb-Khepérou-Ra, le maître des transformations de Ra. Je profite d'avoir cette image de la tombe de Senedjem, à Deir el-Médina, pour vous parler des prêtres Sem. Je parle ici du personnage qui se tient devant le couple et qui fait une libation. Reconnaissable surtout parce qu'il porte une peau de léopard. Le prêtre Sem est un prêtre funéraire et il représente le fils, successeur du mort devenu un Osiris, lors de l'ensevelissement, lors de la cérémonie de l'ouverture de la bouche, mais aussi lors du culte funéraire avec dépôt d'offrandes dans la tombe, lors des fêtes. Parmi les félins, ce sont les lionnes qui sont en tête pour être des réceptacles privilégiés du divin. La plus célèbre, Sekhemet, la puissante, est la plus répandue. Mais nous avons aussi Bastet, qui prend souvent l'apparence d'une chatte, mais en qui sommeille toujours cette lionne dangereuse. Les lionnes sont aussi les hypostases de déesses moins connues, comme Matit, Mehit, Pachet, la déchireuse, ou encore Shemsetet. Occasionnellement aussi, elles peuvent être les hypostases de la déesse Mout, l'épouse d'Amon de Thèbes, ou bien encore Wadjit, mais qui est vraiment le plus souvent représenté sous la forme d'un cobra femelle. Matit est une déesse lionne guerrière qui était vénérée avec le dieu Anti dans le 12e nome de la Haute Égypte, le nome Djoufet, le nome de la vipère de montagne, dans la ville de Per Anti, en grec Hyrakon, aujourd'hui près d'Assiout. Anti, le griffu, était un dieu faucon guerrier assimilé à Setesh. Mehit est une déesse lionne qui veille à l'orée du désert et contrôle les wadis qui débouchent sur la vallée du Nil. Mehit signifie « celle qui est complète ». Elle est vénérée dans la ville de Tinis, dans le 8e nome de Haute-Égypte, le nome de Taour, le nome de la Grande Terre, qui se situe au nord d'Abydos. Paret est elle aussi une déesse lionne, dont le nom signifie la déchireuse. C'est une déesse protectrice du roi. Dans la mythologie, elle est l'émissaire du dieu Ra dans l'extinction de la race humaine, dans le mythe de la vache céleste. Elle peut être confondue donc avec Hathor, Sekhmet ou Bastet, toutes trois filles de Ra. Un temple, qui s'appelle le Spéos Artemidos, fut construit en son honneur à Beni Hassan, dans les falaises près de la ville de Hebenu, Théodosiopolis, dans le 16e nome de Haute-Égypte, le nome de l'Oryx, Mahedj. Shesmetet est une très ancienne déesse de la magie, qui éloigne les démons et qui pouvait causer la mort. Elle est présente dans les textes des pyramides où elle joue un rôle durant la naissance du roi. Elle est donc la mère mythique du roi et par la suite de tous les défunts, avec la démocratisation des textes funéraires. Elle pourrait être un aspect de Sekhmet et de Bastet dans son rôle de mère du roi. Plus tardivement, elle fut une incarnation de la déesse dite la lointaine. Dans ce mythe, elle peut apparaître avec quatre têtes. Une représente la déesse elle-même et les autres, celles de la déesse Wadjet, de Sekhmet et de Hathor, toutes les quatre de redoutables lionnes, qui partagent les mêmes fonctions. Sur ces statuettes, vous pouvez voir que les lionnes ont, au-dessus de leur perruque, une sorte de crinière. Cependant, les lionnes n'ont pas de crinière. Je pense qu'il s'agit de la figuration des rayons du soleil qui émanent du visage de la déesse, puisque, en tant que fille de Ra, elle représente la puissance destructrice du soleil. En guise d'illustration, deux images que je trouvais mignonnes. Nous allons voir maintenant que les lions sont les hypostases des Akeroui, du dieu Shesemu et du dieu Mahes. Les lions mâles, quant à eux, ont d'abord accédé au symbolisme religieux par pair. Par exemple, un lion à l'occident répondant à un lion à l'orient, pour délimiter la course diurne du soleil. Les Akeru, ou au duel les Akeroui, sont des divinités qui représentent les profondeurs de la terre.
lié à la croyance selon laquelle le soleil, en se couchant à l'ouest, s'enfonçait dans la terre, provoquant ainsi la nuit, pour réapparaître à l'est après avoir traversé un tunnel. Ils incarnent le passage entre l'ouest et l'est, en portant le dieu soleil sur leur dos. Ils sont appelés Sef hier et Douaou aujourd'hui, et sont des gardiens des portes de l'au-delà. À partir des décorations de la tombe de Ramsès VI dans la vallée des rois et de celle de la tombe de Padiaménopet datant de la 26e dynastie, la tombe 33 de la nécropole de l'El Assassif, papyrus d'un prêtre d'Amon de la 21e dynastie, il est possible de reconstruire ce petit hymne aux Akéros. J'ai apporté hier et aujourd'hui, et le soleil levant entre eux, le rugissement du vent et du temps comme de lions. Hier et demain surveillent aujourd'hui. Les lions rugissent dans le temple et la terre tremble. Deux lions s'allongent à mes pieds, dévorant les enfants du passé et du futur. Autre dieu lion, Chesmou, un dieu pressoir, patron du vin, des huiles, des ongons, des parfums. Il est représenté surtout sur les parois des salles, les laboratoires qui servent à la préparation de ces mélanges dans les temples, et il apporte ses bienfaits aux dieux et aux humains pour les rites funéraires. Dieu du pressoir, son association avec le lion vient sans doute du fait que dans un pressoir, on y lacère les chairs des raisins comme le fauve celle de ses victimes. Mahès, un dieu lion apparu au Nouvel Empire, est un dieu guerrier, successeur de Sermet Bastet, dont il est le fils. Il lutte aux côtés de Ra chaque nuit contre le serpent Apep, Apophis. Dans son rôle de dieu guerrier, il est le gardien des frontières, des horizons, et il est celui qui protège le roi lors de ses batailles. Et tout comme Sermet, il peut commander le vent et les tempêtes. Il est vénéré dans une annexe du temple de Sermet dans la ville de Léontopolis, une ville dans le 11e nome de Basse-Égypte, le nome du taureau recensé, Hesebu. Le nom égyptien de la ville est Ta-Remu, la terre des poissons. Mais lors de la colonisation grecque, elle devint Léontopolis, la ville des lions, parce que des lions sacrés y étaient élevés et vivaient à proximité des temples où ils incarnaient le dieu Mahès. Comme vous l'avez remarqué, les lionnes sont plus présentes que les lions dans la religion égyptienne. Autre animal redoutable, si ce n'est l'animal le plus dangereux de toute l'Égypte, bien qu'herbivore, l'hippopotame. Imaginez-vous que dans la vie de l'ancien Égyptien, il était difficile de cohabiter avec ces énormes animaux qui venaient régulièrement marcher sur les cultures et qui sont quelque peu territoriaux et agressifs. Et depuis fort longtemps, on les éloignait en les chassant, en les harponnant. C'était même devenu un sport pour les nobles. Vous comprenez à présent pourquoi le mâle de cette espèce fut l'une des hypostases du dieu Sétèche, Seth, dieu du désordre et de la violence. Et l'hippopotame fut intégré dans des rituels d'annihilation, des sacrifices pour éloigner toute manifestation néfaste et destructrice du dieu Sétèche. Partons au temple d'Horus d'Edfou. Nous pouvons voir sur cette scène qui est sur la paroi intérieure du mur d'enceinte du temple, le dieu Horus, coiffé de la double couronne, en train de combattre son oncle Sétèche sous la forme d'un hippopotame. Le fort et vigoureux Horus harponne la tête de l'animal. Encouragé par sa mère Aset Isis, derrière lui, et devant son père Ouzir Osiris, qui est devant lui. Si le mâle hippopotame incarne Sétèche, les hippopotames femelles, par contre, incarnent des déesses bienfaisantes et protectrices. Il faut savoir que dans la nature, la femelle hippopotame est prête à tout pour défendre son petit, et est très agressive et va même attaquer les crocodiles qui passeraient trop près de leur progéniture, ouvrant leur gueule sur des dents menaçantes. Eh bien, c'est cette image de protection maternelle qui est reprise dans les représentations de la déesse hippopotame, Taouret, dont le nom signifie « la grande » ou « la grosse ». En grec, son nom est Touéris. Taouret est une déesse populaire puisqu'elle protège les femmes enceintes et les petits-enfants. Elle est représentée le plus souvent sous la forme d'un hippopotame femelle gravide, la gueule ouverte avec ses dents menaçantes, possédant une poitrine de femme humaine remplie de lait,
avec un gros ventre puisqu'elle est enceinte, avec deux pattes avant de lionne, qui repose sur un symbole, un signe hiéroglyphique, sa, qui signifie protection. Elle peut porter sur son dos une dépouille de crocodile. D'autres mammifères sauvages furent promus véhicules du divin. Ils n'étaient pas toujours bienveillants pour l'homme, quoique moins dangereux, surtout les canidés sauvages. Et vous pensez tout de suite à Anubis. Mais quel est son animal? Un chien, un chacal, un loup? Eh bien, c'est confus. Les Égyptiens étaient bien éloignés de nos taxinomies naturalistes. Ils ont construit une sorte de super-catégorie de canidés où ils rangeaient deux espèces de chacals dont l'un avait la corpulence du loup et l'autre était plus frêle. Ils y associaient aussi les chiens sauvages qui traînaient dans les nécropoles. Se manifeste ainsi, à travers tous ces canidés, le dieu Inepu, Anubis, et le dieu Upuaput. Inepu Anubis était le maître de l'embaumement, vous le savez déjà. Opération où le corps est débarrassé de ses parties corruptibles, ce qui fait référence au comportement charognard de tous ces canidés. Upuaput, en revanche, est censé ouvrir la route aux dieux, et en particulier à Osiris. Allusion claire à leur aptitude à courir vite et très longtemps. Parlons un peu d'Anubis. Inepu est le dieu des nécropoles et celui qui préside à l'embaumement. Il est représenté par un canidé noir ou un homme à tête de canidé. Certaines sources, comme Plutarque, le font devenir le fils d'Osiris et de Nephthys, qui aurait un soir séduit Osiris en empruntant l'apparence de sa sœur jumelle Isis, dans le but de procréer puisque son époux Sétesh est stérile. La plupart des épithètes d'Anubis le relient à la mort et à l'embaumement. Il est celui qui préside à la salle de l'embaumement, le seigneur de la terre sacrée, Tadjezer, c'est-à-dire les cimetières du désert, et le vizir des occidentaux, c'est-à-dire les morts. Durant l'Ancien Empire, Anubis était la divinité funéraire la plus importante, et il fut remplacé par Osiris dans ce rôle de dieu des morts. Il est dès lors assigné à un rôle de subalterne, comme dieu du culte des obsèques, et plus particulièrement aux soins donnés au corps des défunts. C'est d'ailleurs lui qui a fabriqué la première momie avec le corps d'Osiris, qu'Isis avait recherché pendant sa quête. Inepu Anubis est le gardien des cimetières et des nécropoles. Sa couleur noire représente la couleur des momies après qu'elles aient subi le processus d'embaumement. Cette couleur est bénéfique car elle est le symbole de la métamorphose des défunts dans le sol. Mais elle rappelle aussi la couleur du limon déposé par le Nil pendant la saison de l'inondation. La représentation de gauche provient de la tombe du roi Horemheb dans la vallée des rois, et celle de droite où l'on voit Anubis penché sur un cercueil posé sur un lit funéraire léontomorphe en train d'effectuer les derniers soins apportés au corps du défunt. Eh bien, cette image se trouve dans la tombe de Senedjem à Deir el-Médina. Dans le recueil de textes qu'on appelle le livre pour sortir au jour, le livre des morts, Inepu préside la pesée du cœur du défunt, la psychostasie, le cœur étant le siège de la pensée et de l'intellect. Ce jugement au tribunal d'Osiris prend lieu dans la salle des deux Maat. Maat, je vous le rappelle, déesse de la justice, de la vérité, de l'ordre cosmique et sociétal. Cette illustration est un détail d'une vignette du papyrus du livre pour sortir au jour d'Ani. Encore un mot sur Inepu. Son sanctuaire principal était situé dans le 17e nome de Haute-Égypte, le nome d'Inepu, le nome du canidé. Dans la ville de Saqqa, que les Grecs nommèrent Sinopolis, la ville du chien. Nous repartons dans la tombe de Senedjem avec cette image que vous connaissez déjà, où nous voyons Inepu et Upuaput, l'autre dieu de canidé. Maintenant, vous savez repérer le nom de ces deux dieux dans le texte. Autre représentation du dieu Upuaput, l'ouvreur de chemin, en Abydos, dans le temple de Séti. Le roi reçoit ici des mains du dieu Upuaput les deux sceptres royaux, la Eka, la crosse, et le flagellum Nechacha, ainsi qu'un long bâton composé des signes Djed, Anr et Was, stabilité, vie et force. Les divinités peuvent aussi s'incarner dans des animaux domestiques ou semi-sauvages, tels les chats. Le chat qui fut domestiqué à partir du deuxième millénaire avant notre ère fut jugé digne d'être associé au divin. Le chat mâle est une forme du dieu Ra, appelé alors le grand chat d'Héliopolis, qui, armé d'un couteau,
s'empresse de tuer le grand serpent du non-être, Aapep, Apophis, comme nous pouvons le voir sur ces deux exemples, à gauche dans la tombe de Nartamon, et à droite sur cette vignette encore tirée du livre pour sortir au jour d'Annie. Le chat ici représenté est un chat sauvage de type serval, reconnaissable à sa robe tachetée. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le nom de Aapep signifie « A le grand » et « Pep le serpent ». D'ailleurs, je pense que vous pouvez repérer le nom de ces deux divinités sur le premier exemple. La chatte, par sa douceur, incarne le côté positif des félins face à la furie sanguinaire de la lionne. La plus connue des déesses chattes est Bastet. Bastet, la chatte apaisée en qui sommeille toujours la terrible lionne Sekhemet, comme vous pouvez le voir sur cet ex-voto en bronze de passe époque au Louvre, présentant une douce chatte avec son petit chaton. Ce type de statuette était déposé par le dédicant, le pèlerin, dans un des sanctuaires de la déesse, venu pour s'attirer les bonnes grâces de la déesse ou pour la remercier d'une action particulière. La forme la plus commune des ex-votos consacrés à Bastet est celle qui la représente sous la forme d'une chatte assise sur son séant, prêt à bondir, le regard à l'affût, les oreilles dressées. Pour s'attirer les faveurs de la déesse, on pouvait aussi également déposer dans des nécropoles spéciales des momies de chats fabriquées par les prêtres. Mais cela est une autre histoire. Parmi les animaux domestiques, il me faut citer l'ichneumon, une sorte de grande mangouste. Animal très utile, car il débarrasse les maisons des rats et des serpents. L'ichneumon, tueur de serpents, n'est pas sans rappeler le combat de rats contre Apophis. Et c'est pourquoi cet animal fut honoré comme une hypostase du dieu Ra. Comme vous pouvez le voir sur cet autre ex-voto au Louvre, où nous voyons le dédicant en prière devant une mangouste dressée et coiffée d'un disque solaire avec un uréus, les mains jointes en position de protection, et tel le soleil au premier matin de la création, sortant d'un lotus. Les singes et les babouins ont disparu du territoire égyptien suite au changement climatique qui se termina à l'Ancien Empire. On les retrouve beaucoup plus au sud, en Nubie, d'où ils étaient importés. Cet animal, le babouin, deviendra l'autre hypostase du dieu Djéouti Thoth, comme nous le voyons sur cette petite statuette en pâte siliceuse auto-émaillée, représentant un babouin assis, coiffé du croissant lunaire et du disque lunaire la pleine lune. Notre dieu intellectuel n'est pas le seul à pouvoir se présenter sous la forme d'un babouin. Il y a aussi le dieu Khonsu, fils de Mout et de Amon, dans la triade thébaine, lui aussi une divinité lunaire, dont vous pouvez voir une statue dans la cour de son temple située dans l'enceinte du grand temple d'Amon à Karnak, Waset Thèbes. La civilisation égyptienne avait une forte composante pastorale. Les bovins y ont une place toute particulière. De nombreuses déesses ont été représentées sous la forme d'une vache ou d'une femme à tête de vache ou d'une femme avec seulement les oreilles de vache. La vache est sacrée, qu'elle soit céleste ou nourricière. Parmi les déesses qui aimaient s'incarner dans ce ruminant, nous avons Neit, Isis, Hathor, Nout, Shentait, Esat, Sekhator ou encore Ahet ou Meit ou Ret. Vous connaissez déjà les divinités Neit, Isis et Hathor. Shentait était une déesse vénérée à Abydos, Abidjou en Haute-Égypte et à Busiris, Père Osiris, en Basse-Égypte. C'est une vache céleste assimilée à Nout ou à Hathor, doublée d'Isis, prenant part à la déploration et à la reconstitution du corps d'Osiris, Shentait signifiant la veuve. Elle est représentée sous la forme d'une vache couchée, momifiée, qui tient entre ses cornes le disque solaire, ou sous la forme d'une femme avec une tête de vache. Elle est également associée à une très ancienne déesse vache prédynastique, Bat, dont le nom signifie « esprit féminin » ou « puissance féminine ». À partir de l'Ancien Empire, Hathor lui succéda dans ce rôle. Esat est une déesse vache sacrée, nourricière des dieux, mère d'Inepou, Anubis, selon certains textes, et du dieu Anti. Ce dernier ayant été dépecé, elle lui rendit la vie en faisant couler du lait sur sa peau. Esat, déesse vache nourrice du soleil, est censée donner naissance au roi sous la forme d'un veau d'or. C'est aussi une déesse de l'abondance et de la nourriture. Dans les 12e et 13e nomes de Haute-Égypte, elle forme une triade avec le taureau Mnévis d'Héliopolis et Anubis de Toura.
Ezat est souvent associée à une autre déesse vache, une déesse aux fonctions essentiellement nourricières, Sekhat Hor, qui apaise la soif de l'humanité avec un liquide divin décrit comme la bière d'Ezat. Son lait a la réputation de pouvoir guérir des blessures. Sekhat Hor est aussi une déesse nourricière d'Horus. Et d'ailleurs, son nom signifie celle qui se souvient d'Horus. Sekhat Hor. Les anciens Égyptiens avaient confié à la paisible vache un grand nombre de rôles symboliques, auxiliaires de la création du monde, plus particulièrement sous les noms de Ahet ou Mehit Uret. Ahet est une vache divine primordiale. En tant que mère du démiurge Ra, elle est celle qui surgit du Noun de l'océan primordial, portant entre ses cornes son enfant, le dieu soleil Ra. La déesse Mehit Uret, dont le nom signifie le grand flot ou la grande nageuse, représente une forme de la déesse Neit lorsqu'elle se manifesta la première fois sous la forme d'une vache qui émergea de la surface du Noun et qui prononça sept paroles créatrices considérées comme des entités divines à part entière. Les déesses égyptiennes se confondent et leurs fonctions aussi. Sous la forme d'une vache, Nout est la voûte céleste qui accueille le soleil et les étoiles. Un rôle que peut prendre Hathor. Isis et Hathor sont des déesses protectrices, nourricières, régénératrices, celles qui stimulent les capacités reproductrices du soleil, patronnes de l'ivresse, des festivités ou bien encore des relations amoureuses. Car en Égypte, l'amour est vache. Le taureau à présent est un symbole évident de puissance génésique. Et de ce fait sera associé à des divinités comme Osiris ou Kamut-Ef. Une des nombreuses épithètes d'Osiris était le taureau de l'Occident, qui est, rappelons-le, la résidence des morts, car il incarne une vitalité persistance jusque dans la mort. Kamut-Ef, dont le nom signifie le taureau de sa mère, est un taureau solaire qui engrossait sa propre mère pour renaître identique à lui-même chaque matin. Dans ce rôle de dieu de la fertilité, Kamut-Ef sera associé à Thèbes au dieu Amon-Ra-Min, dont vous pouvez voir ici une représentation dans le temple de Karnak. Le roi Ramsès exécute une fumigation d'encens devant une table d'offrande bien garnie, posée devant le dieu Amon-Ra-Min, Kamut-Ef, portant une coiffe typique d'Amon avec les deux hautes plumes d'autruche, et représentée itifélique et dans la même posture que le dieu de la fertilité, Min. Le corps gainé dans un linceul, le sexe en érection et tenant un flagellum dans l'autre main. La déesse qui est représentée derrière avec une couronne hathorique, les deux cornes de vache en serrant un soleil, n'est autre qu'ici Isis. Des dieux habituellement représentés sous la forme d'un faucon pouvaient prendre l'apparence d'un taureau, comme Montou, Hormerti ou Kémour. Au Louvre, vous pouvez voir une belle statue de Montou représentée avec une tête de taureau. Montou est un dieu de la région thébaine de la guerre, dieu de la ville d'Hermontès, Hermont, dans le quatrième nome de Haute-Égypte, le nome du sceptre Waset. Hormerti est une forme du dieu Horus, Horus aux deux yeux, la divinité principale de la ville de Chédenou, qui se situe dans le onzième nome de Basse-Égypte, Hesbou, le nome du taureau recensé. Quant à Kem-Our, dont le nom signifie le grand noir, c'est un taureau sacré vénéré dans la ville d'Atribis, en égyptien Kemour, dans le dixième nome de Basse-Égypte, appelé Kemour, le nome du taureau noir. Enfin, il me faut parler des taureaux vivants qui reçoivent un culte, comme les taureaux Bouris, Névis et le célèbre Apis. Bouris est le taureau sacré adoré à Hermant, Hermontis, associé à Montou. Névis, Mer-Our en égyptien, est le taureau sacré honoré dans la ville d'Héliopolis, Younou, l'incarnation de Ré, Atum, et il est l'homologue d'Apis, le taureau qui est, lui, vénéré dans la ville de Memphis. Apis, ce taureau divinisé de son vivant, était le symbole de la fécondité, vénéré très anciennement dans la ville de Memphis, où il est considéré comme une manifestation vivante du dieu Ptah. Momifié après sa mort, il est également associé à Osiris, avec qui il se fond en une nouvelle divinité qui va s'appeler Osiris Apis, Osirapis, Serapis.
un dieu syncrétique qui apparaît à l'époque ptolémaïque et qui est représenté à la grecque sous la forme d'un homme barbu, portant un chiton et drapé dans un himation. Chez les ovins, seul le mâle fut jugé digne de véhiculer du divin. C'est pourquoi le panthéon égyptien compte de nombreux dieux béliers, plus ou moins anciens, par exemple Khnoum ou Herishef. Ces deux dieux sont représentés sous la forme d'un bélier avec des cornes horizontales torsadées. Ces cornes horizontales étaient celles d'une espèce de bélier qui s'est éteinte avant le Nouvel Empire, Lovis longipes paléo-égyptiacus. Le bélier hypostase du dieu Amon, quant à lui, est d'une race plus récente avec des cornes en spirale. Je vous rappelle que Khnoum est le dieu créateur vénéré dans la ville d'Éléphantine Abou ainsi que à Esna. C'est un dieu qui modèle le corps des hommes et des dieux sur son tour de potier. Il façonne l'embryon. Il est également maître des sources du Nil et de la première cataracte. Il forme une triade avec Anouket et Satet. Herishef, en grec Arsaphès, est un dieu bélier identifié à Osiris. Il fut identifié par les Grecs à Héraclès et vénéré dans la ville d'Hérakléopolis, en égyptien Nen-Nessout, qui se situe dans le 20e nome de Haute-Égypte, le nome supérieur du laurier rose, Nakhet-Rentet. Quant à Amon, vous le connaissez déjà, c'est le dieu principal de Thèbes, et il a pris une dimension nationale comme roi des dieux quand la ville de Thèbes, Ouasset, devint capitale. Ça va vous étonner, mais même le porc était susceptible d'accueillir le divin. Cet animal était consommé par le peuple égyptien. Ses aspects négatifs, sa méchanceté et sa goinfrerie font du porc un animal globalement néfaste, et il est donc associé à Sétèche. En effet, Sétèche se serait transformé en porc noir pour dérober et dévorer la lune, l'œil gauche d'Horus, lors de leur combat. Cette assimilation à Sétèche est à l'origine d'un tabou qui pèse sur les porchers, qui sont les seuls à ne pas pouvoir pénétrer dans l'enceinte d'un temple, selon Hérodote. Et c'est probablement pour venger le dieu Osiris que l'on sacrifie un porc lors de fêtes à Memphis en l'honneur de Ptah-Sokar Osiris. L'impopularité de l'animal a suivi celle du dieu. C'est ainsi qu'à la basse époque, le dieu Sétèche ne véhiculant plus que les valeurs négatives, l'image du porc est devenue très négative elle aussi. Tous ses comportements ont été tournés en dérision, et en particulier sa fécondité ou sa façon de se nourrir. Cependant, la femelle, la truie, a un aspect positif, même si c'est un peu glauque. Les Égyptiens avaient remarqué que la truie pouvait tuer et manger ses petits, forme d'autorégulation lorsqu'elle craint de ne pas pouvoir les nourrir. Dans cette image d'une mère qui dévore ses petits, les théologiens ont discerné la manifestation d'un principe à l'œuvre dans la disparition et la réapparition des étoiles et du soleil. De ce fait, la truie a été assimilée à la déesse du ciel Nout, avalant les étoiles et le soleil. Nous avons vu que les dieux aiment à s'incarner dans de nombreux animaux. Mais nous n'avons pas encore parlé des animaux fantastiques. La plupart sont des chimères composées de parties de plusieurs animaux différents. Nous allons voir quelques combinaisons. Parmi ces êtres hybrides, nous avons les cryosphinx et les androsphinx. Les cryosphinx ont un corps de lion et une tête de bélier, comme nous pouvons le voir sur le dromos, l'allée qui mène au temple d'Amon de Karnak. Remarquez que ces cryosphinx protègent la représentation d'un roi entre leurs pattes. On peut aussi voir des androsphinx, avec un corps de lion et une tête humaine, coiffés d'un émès, comme sur les nombreuses statues qui rythment la longue allée qui mène vers le temple d'Amon de Louxor. Mais on peut encore trouver d'autres combinaisons, comme un corps de crocodile et une tête de faucon, comme sur cet ex-voto en bois qui représente Sobek Ra. On peut aussi avoir des crocodiles avec une tête de bélier, ou la combinaison d'un corps de crocodile, d'un devant de taureau, des ailes de faucon pour représenter Horus Imichinut. Autre exemple d'animaux fantastiques, celui du monstre Amit, ou Amut, la dévoreuse, qui est présente lors de la pesée du cœur, dans la salle du jugement des deux Maat. Elle se tient à côté de la balance, attendant avec un intérêt goulu le verdict donné par Thoth. Car si le cœur du défunt est plus lourd que la plume de la déesse de la justice Maat, il sera dévoré par la mangeuse de cœur, et le défunt ne sera pas justifié.
et digne d'avoir accès au repos éternel dans les champs d'Ialou. Dans ce cas, le défunt meurt une seconde fois et est annihilé. Amout est représenté avec une tête de crocodile, un protôme de lion et un arrière-train d'hippopotame. Vous avez là une combinaison des trois animaux les plus dangereux de l'Égypte. Parmi les animaux fantastiques les plus connus, on trouve le griffon, composé d'un corps de félin, lion ou panthère, ou de canidé, chacal ou chien sauvage. Il porte des ailes et une tête de faucon, de vautour, de bélier et même parfois celle de l'animal de Sétèche. Voici quelques exemples de représentations du griffon, dont l'une se trouve sur la hache d'apparat en or de Yahotep I, une reine thébaine de la 27e dynastie. Ou bien encore sur ce bas-relief au temple de Philae ou au temple de Dendera, où nous voyons un beau griffon sur le pagne du roi, avec une tête de canidé, des ailes de faucon et un corps de lion, écrasant victorieusement des ennemis vaincus. L'animal du dieu Sétèche, Set, est bien étrange. Son corps est celui d'un canidé, probablement un lycaon, un chien sauvage. Une queue dressée et bien droite, terminée par une touffe de poils. Un cou étiré, un long museau effilé qui se recourbe sous le chanfrein et des oreilles verticales aux extrémités taillées à angle droit. Cet animal ne correspond à aucun animal réel, mais son étrange apparence résulte sans doute d'une déformation stylisée. Mais à partir de quelle bête? On a multiplié les hypothèses, et les plus vraisemblables, nullement exclusives, au demeurant, restent un sanglier, ou un phacochère, une girafe, ou un canidé de type lévrier, ou bien encore, une sorte de fourmilier qu'on appelle l'oryctérope du Cap, qui est un bon candidat pour l'animal de Seth. Et pour finir, nous allons parler du très jovial Bès. Bès est un génie protecteur plutôt qu'une divinité. C'est un personnage de petite taille, aux jambes torses, brandissant des couteaux et des sceptres hérissés de serpents, ou bien encore jouant d'un instrument de musique comme le tambour. Il est représenté nu, hirsute, avec un visage grimaçant, tirant la langue. Il peut porter une crinière de lion, ou bien encore porter sur lui une peau de lion. Malgré son aspect peu avenant, grotesque et épouvantable, c'est un dieu bienfaisant, qui doit, par son aspect, faire peur aux mauvais esprits. Il brandit des épées et des couteaux et aussi des instruments de musique pour faire du vacarme et éloigner ces mauvais esprits. C'est donc aussi une divinité de la musique, de la danse et de la joie. Une particularité des représentations de Bès, c'est qu'au lieu de les avoir dépeintes de profil, elles sont représentées de face. Bès est avec Taouret une des divinités les plus populaires parmi le peuple égyptien. C'est un génie de la sexualité et de la grossesse. Bès et la déesse hippopotame protègent les femmes enceintes et les femmes en couche. Très populaire, de nombreuses amulettes ont été créées à son effigie. Il est le protecteur du foyer, des femmes et des enfants, mais également le protecteur du sommeil, car le sommeil est considéré comme un état fragilisant où l'individu est à la merci des forces dangereuses, que ce sympathique bouffon des dieux éloigne aisément. Voilà, nous avons vu ensemble l'ensemble des hypostases divines sous forme animale. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des hommes divinisés, en commençant par le roi, et de certains particuliers. Nous verrons que de grandes réalisations humaines, comme des grandes statues, peuvent être des réceptacles du divin, et que des divinités d'origines étrangères peuvent rentrer dans le panthéon égyptien. Nous sommes arrivés à la fin de cette très longue vidéo, qui j'espère vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Hotep.